Françoise Hardy sur Dièse Muto. Derrière chaque homme qui se comporte mal, il y a une maman qui n'a pas pu être la point de vue. Alors qu'elle sort vendredi son nouvel album Personne d'autre, Françoise Hardy était invitée ce jeudi au micro de France Inter, et a notamment évoqué Dièse Balance ton porc et Dièse Muto, jugeant binaire ce mouvement de lutte contre les abus sexuels. Comme toujours, Françoise Hardy ne mâche pas ses mots. Réputée pour son franc-parler, la chanteuse était invitée ce jeudi au micro de France Inter à l'occasion de la sortie ce vendredi de son nouvel album, Personne d'autre. Au gré de l'interview, elle a notamment évoqué les mouvements de lutte contre les abus sexuels, tels que Dièse Muto ou Dièse Balance ton porc, regrettant le côté binaire des mouvements, et cherchant à comprendre, ce qui peut expliquer un certain manque de valeur chez les personnes, les hommes, en particulier qui se livrent à ces actes. D'une certaine manière, cela met les gentilles femmes d'un côté et les méchants hommes de l'autre. Et je crois qu'on ne pense pas assez aux raisons pour lesquelles un homme se comporte mal, a-t-elle affirmé. Alors que de nombreuses militantes féministes prennent la parole pour dénoncer, par exemple, la culture du viol, qui génère justement ce type de comportement. Et de faire le lien entre la violence d'un homme et l'absence de sa mère. Derrière chaque homme qui se comporte mal, il y a une maman qui n'a pas pu être là, ou n'a pas su lui transmettre de bonnes valeurs. Très émue à la mort de Johnny, Françoise Hardy, proche de Johnny Hallyday, raconte aussi son émotion à la mort du chanteur. Un bouleversement qu'elle a vécu depuis l'annonce des problèmes de santé du rocker et l'émerveillement qu'elle a ressenti lors de l'hommage auquel a eu le droit à l'idole des jeunes par tous ses fans. Concernant l'affaire du testament, l'artiste confesse sa compassion à l'égard de Laura Smet et David Hallyday. L'héritage, ça a une dimension affective. Ils doivent se sentir reniés. Tout en comprenant la complexité de l'héritage et le désir de Johnny de mettre ses petites et sa femme à l'abri. La rédaction de LCI.fr mit à jour, créé, et met Twitter tous à voir estuaire dit et balance ton porc, le hashtag qui réveille les consciences contre le harcèlement.